Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va traiter du cimetière Fournaise, Barbare, etc. Donc un deck qu'on n'a jamais vu encore sur le channel. Et pour nous présenter, nous avons Clen. Bienvenue à toi Clen. Merci Nextiva et bonjour à tous. Yo. Alors, si donc t'as ce petit deck, t'es actuellement, tu t'es mis en 9-1 en super défi pour régaler, hein, pour qu'on puisse faire un petit peu de live. Et tu nous as partagé deux replays, le premier contre Lord Zeng, le fameux joueur de super défi, ou du moins voilà cette légion, et ensuite contre Hermès. On part sur le premier replay. Oui. Ok, 3, 2, 1, go. Donc pour toi, ce deck est un contre en face, donc c'est le ballon TDE en face. Ouais, pour moi, dès qu'il y a un ballon, c'est un contre deck. Ouais, ok. Tant donné que j'ai pas de boule de neige, c'est quand même assez compliqué de gérer le ballon. C'est vrai que t'as pas de boule de neige, mais c'est pas un peu relou ça? Le fuit barbare est plus complet que la boule de neige alors? Pourquoi il y a un fuit barbare et pas une... C'est pour le cimetière ça, non? Ouais, c'est plus pour ton cimetière et... aller chercher tout ce qui est électro et tout ça. Ouais, c'est vrai que le fait de jouer sans boule de neige, c'est quand même pas forcément évident. Hein. C'est une carte, on s'en passe difficilement. Quoi. Bah après, en fait, le problème c'est que la boule de neige, je perds souvent ces matchs de ballon, mais il fut contre les matchs lockbait, c'est ultra important. Et c'est vrai. Autant de... Ouais, c'est vrai. Donc, de toute façon, un deck ne peut pas contrer. Oui, heureusement. Hein. Enfin, sauf s'il joue TDE. Ok, le ballon qui va aller mourir sur la fournaise. Donc tu l'abordes comment ce matchup? Vas-y. Je vais essayer de gratter poison pas mal. Ouais. D'essayer de m'installer et de faire des assez gros push avec okay. Barbare et... Je sais qu'il a pas vraiment grand chose pour défendre un cimetière. Ouais, pour défendre le cimetière, lui il a ses deux petits sorts et par contre, ouais, il te remet une bonne pression. Il te force la MG, la mousquetaire. Ok. Ah, ça a quand même connecté. Oh, ça c'est dur. Hein. Ouais. Même en mettant cash MG mousquetaire dessus, ça connecte, ouais, c'est ouf. Tu vois, là, juste ça, c'est juste histoire de mettre une pression. Ouais. Rien de. Ah, tu vas connecter un peu quand même. Hein. De ouais. Coup, ouais. Bon, c'est moins que lui évidemment, hein, parce que le ballon qui connecte se fait tellement mal. Ok. Et là, le problème c'est que dans ce matchup là, je peux pas poser trop de fournaises. Ah ouais, du coup tu pars cash un barbare pour gérer la mousquetaire et. Ok. Ouais, ouais. Et tu peux ça, pas poser les fournaises parce que tu dois les utiliser défensivement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, j'ai mine de rien, j'ai quand même bien gratté. Ouais, c'est pas mal, en plus tu grattes bien la mousquetaire avec le poison, t'es repassé devant en termes de dégâts. Ok. TDE, pourquoi pas. Quand comme ça, tu mets pas un gros tas de barbares devant histoire de protéger. Okay. Non, je préfère. Je préfère défendre les mineurs avec. Ouais. Ok, donc tu regrettes au poison, le fût qui va être défendu. Et là, au niveau des dégâts, je suis devant. Je suis bien ouais, t'es bien là, c'est clair. En plus, le mineur il va taper ta mousquetaire, donc ta mousquetaire elle va le tuer. Ouais, t'as dû te prendre. Push ballon là. Ok, là tu gères, tu repêches en... C'est peut-être ça ton erreur, non, non tu non, as claqué beaucoup là. Ouais, mais non, mais là ça va, tu vas l'avoir arrivé. Là toi arrivé. Parce que là je défends, là y a pas de problème. Ok, effectivement t'es bien en fait. Hein. Je regarde. Ah non. Bah ouais. Et là je vais le faire. Je me fais punir. Il la met derrière la corde et puis il s'est gagné quoi. Bah oui. Bah ouais. Ah il faut la mettre une case au-dessus. Aïe aïe aïe. Bah ou faut pas. Ouais, ouais c'est ça. Je suis un peu déçu parce que j'avais quand même. J'étais bien dans mon match. Ah t'es bien joué hein, c'est clair, ouais mais effectivement si tu lui offres un ballon, il le prend. C'est ça. Si tu mets derrière la corde, effectivement, le ballon il passe. Hein. Waouh. Wow. Okay. Mais le match-up est quand même compliqué en. Oui, 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 c'est sûr, mais t'avais quand même bien géré, hein, Mina. On est parti contre Hermès? Vas-y. Ok, 3, 2, 1, go. Alors, ici, il joue du PK. PK poison, PK spam poison, apparemment. La version zap, j'imagine. Je sais plus.
Soit Fuite Barbare, soit Royal Ghost. Et... Ok, bon, on va vite voir. Pour toi, le match-up, il est comment là-dessus? Je dirais qu'il est équitable. Ok. Parce que logiquement, je passe pas, mais il passe pas non plus. Donc, pour moi, c'est ouais. J'ai du 50-50. Enfin, logiquement, personne passe. Ouais, ouais, je vois. Ok, la fournaise qui tente ça. Mon but, ça va être de poser masse fournaise pour bien l'embêter. Ok, mais comment tu peux vraiment poser plein de fournaises, sachant qu'il y a la Battle Ram qui peut te les chercher hein? Parce que je les pose derrière les toits. Ok, donc tu acceptes de te faire connecter potentiellement par le billet de combat. J'aurai toujours les barbares pour des fournaises. Ouais, ok. Donc généralement, ça connectera pas. Mais il va poison lui, si tu fais ça. Ouais, mais je sais plus vite que lui les fournaises. Yeah, je vois. Alors, le fil de barbare qui est remis, tu vas les défendre évidemment avec la mousquetaire. Et là, tu commences à les mettre dans le fond, alors. C'est intéressant ouais. Hein, que ton approche du match-up soit celle-là. C'est pas forcément intuitif hein, de pas les utiliser pour les battle arms. En fait, je vais commencer par full gratter au poison. Et après. Histoire de lui mettre une petite pression. Donc, t'as décidé que la droite, elle serait morte. T'allais défoncer la droite. Là tu peux bien ouais, avec les barbares, etc. Je sais pas si t'as une bonne idée à son page. En fait, le truc, c'est que je me dis, faut que je fournaise du côté opposé où il va attaquer lui, parce qu'il va pas trop la défendre, et ça va me faire masse... Et ça va mettre des petits 178 par 178, et tu vas te mettre bien... Ouais, je vois. C'est ça. L'AMG qui va tuer une des gargouilles, là, t'es bien. Le truc, c'est que... Ouais. Là, je crois qu'il va me redonner un coup. Non, pas là. Ouais. C'est que, ouais, le cimetière, faut que je fasse extrêmement attention pour en le posant. Parce que je peux me faire vite contre-push. C'est vrai. Tu vois, là, il me donne des poisons gratuits. Donc. C'est sympa, hein. Faut les prendre. Hein. Quand c'est un petit cadeau poison, faut le prendre. Tu reposes fournaise. Bon, la volus qui a quand même connecté, hein, qui t'a fait quelques dégâts. Ok, le zap qui permet de bien t'improviser. A gauche, il va devoir mettre les barbares, mais ça devrait tenir. Allez, tuer le bélier! Allez, c'est bon, il l'a joué. Par contre, du coup, t'as plus le golem de glace pour le Royal Ghost. T'étais obligé de le mettre sur le golem de glace? Non, mais je pensais qu'en fait, il allait y avoir les barbares. Enfin, le premier barbare qui allait connecter sur la tour. Ouais, je vois. Je préfère assurer. Je comprends. Puis là, en fait, je pense que je repose fournaise en bas. Et en fait, je le pose ici, c'est pour éviter que poison s'en mette tout. Et en même temps sur la fournaise. Oui, oui, bien sûr. Et là-bas, encore un poison gratuit. Ouais, au final, tu grattes quasiment qu'avec ça. Mais ça marche bien, hein. Enfin, t'as fait quelques bons dégâts avec. Ouais, j'ai toujours pas posé mon tir. Ouais, c'est ça, t'as toujours pas posé le cimetière. Mousquetaire, tu voulais pas la mettre sur un peu plus haute pour défendre? Non, ça va, au final, elle va reprendre. Je voulais surtout faire ça. Et là, donc là, il a poison, donc ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'en prends un tir. Bon bah. Après, il défend pas trop mal, hein. Là, il a pas fait énormément de dégâts. Ouais, parce qu'il est toutes ses unités. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Mine de rien, je me réinstalle bien en fournaise. Et ces Battle Ram font de map, je suis pas très très fan, parce que ça me permet de mettre les barbares assez rapide, puis là, il loupe son PK. C'est vrai que c'est pas ouf hein, son play. Là, tu peux pas mal te défendre, t'as bien refait mal à droite. Et là, je remets encore une fournaise. Puis t'as la MG, tu peux redéfendre au golem de glace. Enfin, t'as tout pour tempo là. Parfait. En fait, je fais presque du full grattage de l'esprit de feu. L'esprit de feu est poison parce qu'elle a encore un poison gratuit. Waouh. C'est ouf. Je peux reposer une fournaise. Ah, tu la joues vraiment grattage doucement mais sûrement quoi. Barbare ouais, à gauche, bah, j'imagine. Avec ce deck là, je tempo vraiment beaucoup. J'hésite vraiment à mettre des tiers. Ça ouais, tu je suis vraiment patient dans mes games. Tu prends pas le risque de cimetière trop rapidement quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'un mauvais cimetière est simple. Ouais, ça va vite. Je suis d'accord. Moi, c'est vraiment l'erreur en numéro 1 que je vois aussi chez les joueurs de cimetière, c'est qu'ils vont le mettre, ils vont trop forcer avec un cimetière, ils vont se faire contre-push et ça va être fini. Ouais. C'est un peu, ça coûte cher, hein. 5 c'est beaucoup et...
Ah, c'est bien, t'as une petite collection de squelettes, t'en manques une. C'est pour ça que je l'ai mis. Je sais que dans ce classement-là, si mes poisons ça connaît. Ouais. Exemple 2. Nice, bravo! Alors, c'est quoi les match-ups que tu trouves qui sont vraiment sympas avec ce deck? Je dirais que le cochon de .6, les deux cochons de .6. Ouais. Non, c'est 2.8 avec... 2.8 avec Golem de Glace, Séisme. Ouais, c'est 2.8, non? Ouais, Séisme, c'est... En fait, t'as plusieurs versions, t'as Mousquetaire ou t'as Golem de Glace. T'as les deux versions, le 2.6 qu'on connaît tous de Jack, ouais. et le cochon séisme, les deux j'ai le match. C'est facile. Faut juste pas que j'overcommit, logiquement ça passe assez bien. Et après sinon, les GR c'est assez facile, si j'arrive bien m'installer. Et sinon après le reste, je dirais que j'ai pas trop de mauvais match, à part le ballon. Ouais, tu trouves que c'est plutôt un deck assez complet au final. Ouais. Ok, c'est cool. Bien aussi. Tu peux faire pas mal d'égalités. Enfin, moi, comment je le joue, j'ai pas mal d'égalités souvent au bout des... Ouais, mais c'est parce que, comme tu le dis, tu le joues assez tempo, quoi. Ouais, je le joue vraiment safe. Je prends pas trop de risques pour éviter une loose bet. Voilà, mais du coup, potentiellement, tu peux te retirer quelques opportunités, mais au moins, t'évites là. Yes, on est parti pour un peu de live? On est parti. Golem de glace. Alors, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être justement le cochon dont tu parlais. Ah non, ok, c'est du Bridge Pam, Prince. Sûrement. Sûrement. Ouais, c'est ça. Il y a des chances. Il est agressif, lui. Il a pas le temps. Hein. Il s'est dit, bah tiens, il va paniquer en face. Hein. Là, je pense que je peux avoir un bon match-up. Mais bon, encore une fois, faut que je fasse attention au placement. Ouais. Parce que terre, ok. Après, il a boule de feu aussi, hein, donc il faudra faire gaffe sur les barbares, etc. Ouais. Là, en main, il a justement sa boule de feu, sa boule de neige. Il a voulu s'agir à gauche. Ouais, donc là il va falloir que les barbares, je pense pas trop les jouer. Pour éviter justement les pré-shots. Ouais. Je pense plus défendre MJ et mettre un golem de glace. Et après, une fois qu'il le met. Et je vois. Par contre là, les MJ qui a tombé. Je pensais que. Bon, en soi, je me fais gratter, mais c'est pas trop mal. Non, c'est pas très grave hein, pour l'instant. Le prince est long qui va one-shot la mousquetaire. Par contre, là je vais barbare. J'espère qu'il n'y a pas pour pre-shot. Bah, tu verras bien. Je l'aimais bien bas exprès. Ouais. Ouais, boule de feu. Ok. Ok. Ça peut être pire. Ouais, bon, là j'ai rien pour gérer le Battle Ram, donc je peux pas la mettre derrière la tour. Ouais, il l'a en main, évidemment. Il a sa boule de neige également. Ok, bélier qui est envoyé en fond de map. Mousquetaire haute pour chercher ta. C'est bien joué. Ouais, il joue bien. Hein. Clairement, il joue bien. Ah, on est sur du 9, hein, on est pas non plus. Ça m'aurait pas étonné qu'il. Ah non, c'est bon, c'est mousquetaire, gère ton barbare. Ouais. La volus qui me fait assez mal, j'ai du mal à la couper. Ouais, je vois ça, ouais. Elle met une bonne pression, mais c'est pas évident. Après, le truc, c'est que je peux vraiment bien défendre, donc là, je pense que ça peut plus de fuite un peu en trop. Ouais, clairement. Et puis là, il a forcé un peu en trop pour rien. Enfin, il a pas besoin de push autant. Il va pas te faire de dégâts quasiment et t'es remonté bien en ici. Hein. Enfin, vous avez autant, mais. Ok, il repart sur là, les deux lanes. Il y a moyen que ça joue la draw. Ok, bah super. Je me demande s'il faudrait quand même pas les mettre plus basse hein, les fournaises pour la mousquetaire ou alors la sniper direct à la MG.
pense, tu vois, bah, de toute façon, je sais que la fournaise va mourir, donc ça me dérange pas trop. Ouais. Par contre, là, je crois que... Top. La tour va le faire. Carry. Ouais, ferme. Ouh. Par contre, à un moment donné, il va bien falloir que j'arrive à push. C'est ça. De défendre. Ah, il remet une mousquetaire haute. Mais il a raison, hein. Ouais, ouais, là. Elles font du travail, les mousquetaires haute. Ouais, mais le boulonnage de sa part. Oh, elle a volé sa droite! Oh ouais, je sais, mais je la laisse rater tant pis. Ça va égaliser à peu près les deux. Le problème, c'est que je peux poser aucun cimetière depuis tout à l'heure, mais faut pression. Non, bah, c'est un deck qui met beaucoup de pression, ça. C'est un deck qui laisse peu poser son jeu. Hein. Et si je pense que si j'ai le malheur de poser un seul cimetière derrière, je me fais contrer et je perds ma tour. C'est possible, c'est possible. Non, après, c'est une force d'élixir aussi, hein, mais... Mais bon, au moment, je pense qu'il va attendre mes barbares. Bon, au final, c'est pas trop mal, hein. Tes barbares, ils ont le temps de faire quand même des dégâts avant de faire boule de feu. Ça lui force sa boule de feu juste sur eux. Je l'ai quand même bien gratté sur le côté gauche. Ouais. Ouais, pas mal de feed barbare. Il a fait une value monsieur. Ah, tu tues deux unités, ouais. Parfait. Ouais, le feed barbare qui m'a fait une... un bon truc là. Ouais, il était sympa. Bon, il a toujours 10 délicieux. Hein. Ouais, ouais. Mais je commence à revenir bien dans le match là. Ouais, clairement. Clairement. On sent que tu maîtrises mieux. Bon, là, t'as plus de fournaise hein, bientôt. Ouais, mais j'en ai une qui est. Top. Moi, okay. Oh, bah, j'avais pas vu le temps. Bon, 17 secondes, ouais, c'est pas mal. Mieux vaut que tu finisses sur une row que ce que tu perds, hein. Évidemment. Évidemment. On aime pas perdre. Non, mais au final, t'as bien repris le match. Hein. T'es bien revenu. Ouais. Contre un français, hein. Ah oui, elle est déjà 21. Allez, on le tryhard, tu l'as. Bon, j'ai pas une main de ouf. T'as quoi comme main de départ? J'ai barbare, méga gargouille, tir et poison. Ok, ouais, effectivement. Bah, généralement, le play quand c'est comme ça, c'est soit tu cycle une MG, voilà, là-dessus, hein, hop. Soit ouais, tu ouais, barbare dans le fond, quoi. Mais je voulais pas mettre une MG toute seule parce que. Enfin, au fond de map, parce que si je joue ballon, je suis mort. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il se passe comme ça. Après, là, on sait que c'est pas ballon, c'est un icebow apparemment. Non, c'est pas un icebow, sinon il n'y aurait pas ça. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Ok. Ok, oh. Ouf. Belle boule de feu, là. Ouais, elle est pas mal, sa boule de feu. Vous avez autant d'élixir. Bon, après, je pourrais m'installer en fournaise. Ouais. C'est marrant, t'attends pas les 10 d'élixir pour poser la fournaise. Ouais. Ou. Je sais pas si de la mettre. Ouais, j'ai. Ok. Ouais, c'est bien joué, hein, parce que c'est relou ce parfum. C'est de l'iceboat, t'as. Bah non, il y a mineur. Non, non, c'est du GR. C'est du GR, oui, oui, c'est du GR. Oui. C'est du GR Ruskov. Non, non, iceboat, ça joue pas à Fuite Barbare, en fait. C'est ça, c'est une version Ruskov. Ça va être un viewer de Ruskov. Hein. C'est possible, bah, hein. Là, je pense que en vrai. J'ai légèrement le match-up. Enfin, je pense. Faudrait... Ouais, après, il peut te faire des bonnes boules de feu. Boules de feu GR, mais... En fait, j'aurais toujours de quoi gérer son G. Parce que la fournaise l'embête vachement. Ouais, et puis il peut pas boule de feu et la fournaise et les barbares. Il devra faire un choix. Ok, là typiquement, tu vois, s'il gère, bah, tu sais qu'il n'y a pas la boule de feu. Quoi. Bon, là, il le gère s'il veut. Hein. J'aime le barbare. Là, j'ai le repoison sur sortie de glace. Il récupère la BF dans 3 cartes. Bah, barbare à droite. Hein. Après tout, hein. Ah, t'es bien là, hein. Tu peux faire un double pêche. Hein. Enfin, ou cimetière ouais, à droite, mais tu peux faire des trucs en fait. C'est ce que je vais faire. Ouais, super. La MG qui est bien droite et à gauche. Qui est bien connecté. Ouais. Il fallait pas qu'il mette son GR sans boule de feu ici. Hein. Super. Il s'est fait punir, mais direct. Ok.
Ah oui, par contre, ouais, je joue doucement, mais par contre, quand je peux plus rien. Oui, bah t'as raison, hein, il faut. Hein. Surtout que les barbares, c'est un sacré paquet d'unités à gérer à la maison. Hein. Là, je continue toujours à gratter. Ouais, tu veux pas remettre une fournaise ici? La fournaise. Si, je vais la remettre. Si, si, hein, il vaut mieux là. Je l'avais pas en main. Ouais. Ok, il repart en GR. Bien joué le mineur derrière. Bon, il va se faire def quand même. Ouais, mais... la MG qui a mis. À gauche que t'as mis! Oh mon dieu! Waouh! Là, il me refait en poison. Ouais. Ouais, tu vas lui forcer à boule de feu dessus. Il la met cache, hein, il est malin. Mais. T'as récupéré ta MG là déjà? Ouais. Ah, parfait. Le poison qui fait 216. C'est ça. Il va falloir qu'on. Va falloir que je remette un cimetière, il pourra pas le défendre entièrement. Ça va être très dur. Non, non, il faudra pas le bloquer entièrement. Non, j'ai pas. Je l'ajoute en plus. Zéro risque. Je vais pas mettre de barbares. Ah, allez, c'est bon, tu peux les mettre. Cadeau. J'ai même pas besoin de. Non, t'es pas besoin, je sais. T'es bien là, hein. T'es trop très bien. C'est pour les cimetières là d'ailleurs, hein, pour le beau jeu quand même. Ouais, on va cimetière. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, je voulais prendre les deux tours en même temps. Bah ouais, c'était rapide. En même temps, c'est pas évident parce que ça allait faire beaucoup de dégâts, ouais. GG à toi. Ok. BB Dragon. C'est pas être encore une fois un plein de deck. Hein. Je voulais bloquer à la MG. Ok. Ok, donc bon, soit PK, soit GR, soit Golem. Ça coûte cher en tout cas. Hein. Il est encore à 2 de moins que toi, du coup. Ah, si j'avais su. Bah, tu sais, foudre bébé dragon, c'est 10. Hein, t'avais que 7 toi, donc. Ouais. Moi, bon, c'est pas grave, ça, mais j'ai quand même un peu. Ouais, parce que là, c'est pas dit qu'il avait vraiment trop de bonnes réponses. Garde, mais tu peux poison là. Ok, ouais. C'est du molosse, du coup, ça on sait. Mine de rien, je rentre quand même de mon dégâts. Tu rentres énormément de dégâts et le molosse va pas te faire des dégâts quasiment. La molosse. Mousquetaire qui va. Qu'est-ce qu'elle est forte cette mousquetaire. Oh, regarde les dégâts qu'elle remet. Oh mon dieu. Oh, il est obligé de mettre. Il met un peu de dragon là-dessus. Oh. Parce que t'as ta MG en plus. Hein. Ou même golem de glace d'ailleurs. Marche aussi. Je vais garder ma MG parce qu'il joue. Ouais. Vous êtes à autant d'élixir. Et pierre tombale. Ça donne limite envie de mettre un poison dessus, ça. Ouais, mais je l'ai pas en moi. Et même si j'ai le cycle, là je l'ai encore pas en moi. Là je vais pas plus forcer que ça, je vais juste mettre un petit poison. Ouais, bah oui. Ok, parfait. Les gardes qui vont se faire gérer. Refaire le taf. Voilà, c'est ça. Ok, ok, très très bien. Là il va devoir passer sur un gros push et mettre une belle foudre. Donc lui il va chercher à faire une foudre value sur la mousquetaire et la fournaise. C'est ça qu'il va essayer de faire. Il est full, hein. Là il peut foudre à tout moment. Ok, donc là c'est plutôt cool. Foudre, ok. FODF. Okay, il reste plus que 30 secondes. Hein. Il pourra pas te faire des push énormes. Ouais. Bien. Ça devrait connecter un coup. Squelette. La MG. Non, ouais, c'est la MG qui va connecter. Ouais, parfait. Il reste que 17 secondes. Non, son molosse, il l'a mis. Ok. Là, le ballon qui devrait venir sur la. Ouais, bon, ouais, il ira. En plus, tu le mets comme ça. C'est bon. Ça tient. Ça tient, Glenn. C'est le 11-1. Let's go. Ouais, d'accord. Alors, Yesus au CN Team Rhino. Golem de glace ou pas? MG, ok. Alors en face, bah ça ressemble aussi à du GR. Ouais, je crois que c'est. Ok, que lui je pourrais. Ça peut être cimetière aussi hein. Ouais, je pense plus à du cimetière.
Ouais, c'est possible, ça, le cimetière splash. Prince ténébreux, ouais, etc. Ouais. C'est fortement possible. Matchup est compliqué. C'est bien ça. Matchup est pas facile du tout. Parce que le prince ténébreux va m'embêter beaucoup. Ouais. Ouais, c'est sûr. Oh là là, il va connecter sur la mousquetaire, quoi. Il est fort. Ouais, c'est clair. Il est balèze. Hein. Il donne stéroïde. Hein. Ok, je vais voir qu'il est fort. Oh, non il a... Ouais, bon, c'est pas. Là, je pense qu'au niveau élixir, je dois pas être. Je dois être bien en avance. Ouais, ouais, t'es bien devant. T'as 5 d'avance. Il va def au bébé dragon ou vient... prince ténébreux. Ok, prince ténébreux. Il vient de jouer son poison, donc. Ah, ça lui coûte cher. Hein. Il a encore 5 de retard du coup. Là, t'as le Glen de glace. Oh, okay. Non, je l'ai pas. Je viens de le jouer. Oui, pardon, oui. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est vrai. Bébé dragon. Bon, ça, tu peux le gérer tranquillement ici. Hein. Sans pression. Je vais le gérer avec la mousquetaire. Parce que mon drame. Parce que la mousquetaire peut taper la tour. Ouais. Alors que la mégane m'aurait servi à rien du tout à la contre-attaque. Ouais, ouais, c'est pas déconnant comme analyse. Bon, il va tomber évidemment. Ouais. Là, il peut juste mettre un poison. Il va le mettre, mais. Il va connecter. Oh quel relou quoi. Ah, oh, t'as pris de ses dégâts. C'est ouf. Ouais. Bon, c'est vraiment ouf. Mais après, là, je pense. Il va bébé dragon. Ouais, voilà. Bon, tu fais une bonne value poison hein, ici. Hein, mais... Ouais. Ouais, ouais, c'est le problème. Il aurait fallu la mettre vraiment collée à la tour à droite. Je vais le laisser taper, ça. Si tu veux la mettre au milieu, faut la coller à la tour de droite. Hein. Pas qu'il puisse te... Ah, il repart à gauche. Ouais, il a raison. Hein. C'est bien joué. Et j'ai tout loupé, je voulais pas mettre. Le petit squelette là en bas là. Oui, c'est relou hein. Et bien dragon. Ouais, j'ai perdu. Ouais. Wow. Mais ouais, je pense que je l'ai pas non plus hyper bien joué, mais j'ai pas le matchup, je pense. Je pense aussi, ouais. Parce que je... Oh merde, fraise. Défonce-le. Ah, vous allez à. Vous allez un. Draw. Je sais pas, je le connais. Non, je le connais pas. Pas plus que ça. Il spam super combat, ça veut pas dire. Non, ok. Bon, on est en vidéo. Ouais. Bah, ouais, je pense pas que ça gêne. Hein. Oh, il s'en fout, frère. Hein. Ok. Bah, et la dernière fois, j'ai affronté Hugo. Ouais. Et il jouait justement le cochon et séisme. Et il a rien pu faire. Bah, tant mieux. Ok, donc cochon royaux, bat. Suivante qui vient de revenir, ok, gratte au poison. J'ai jamais fait rien. Ah ouais, c'est comme ça toi. Bon, tu rates un peu, par contre, il faudra faire gaffe au contre-pêche quoi. Parce que là, il va te balancer les cochons rayons en plus, potentiellement. Donc il peut pas. S'il les met quand même. Ouais, bah ouais, il vaut mieux. Ouais. Ça va au final, hein, le trade était positif pour toi. Pour l'instant. Ouais, ça va pour le moment. Pas mal dans le monde. Ah, et si la MG connecte deux coups, c'est bon. Ouais, super. Et mousquetaire, mousquetaire. Tu as sa machine blanche, il a récupéré des bats. Hein. Il a le bûcheron également, okay, il a mis le bûcheron, ouais. Il a récupéré ses cochons rayons. Ah, il faut la sniper là. Ok. Il est à 10 d'élixir, comme toi. Puis lui, ce qui est bien, c'est qu'il joue pas de gros sorts. C'est vrai, ouais, pour l'instant en tout cas, on n'a pas vu sa dernière carte, mais... Ouais, c'est sûr, c'est Je sais pas s'il l'a joué, mais c'est sûr que c'est pas un gros ça.
Ok, il recycle le bûcheron au fond de map. Moi je vais m'installer en fournaise parce qu'il a pas de quoi les gérer. Ouais, il a les cochons rayons en main, s'il a envie. Faut qu'il les mette, hein. Je pack tout à droite, je m'en fiche. Je valide. Non mais ouais, j'ai une fournée sur le board. Donc... Et Somi à gauche. Super, ouais ça défend bien. Génial. Oh là là. Il va au fils de barbare. Ouais. Okay. Je vais la jouer bien à tempo. Parce que je sais qu'en fait je peux bien stack mes troupes, il a rien pour les gérer. C'est ça. Oh là, ça connecte un peu, parfait. Bûcheron à gauche, il a récupéré les cochons à yo, bat. Il a récupéré son fuite barbare à l'instant ici. Il vient d'être joué. Putain, la pression que tu mets. Et pour toi, j'ai pas encore posé le cimetière. Hein. Ouais, c'est clair. Enfin, si, une fois, mais. Ouais, mais. Oui, non, mais je comprends ce que tu dis. Il récupère le fuite barbare dans deux cartes. Et. Il y a ses cochons à yo aussi. Cochon à droite. Ah ouais, c'est pas fermé ça. Ah, c'est avec les esprits Isaac parce que. Oh putain. Oh, c'était dur ça. Hein. Coup dur pour les cochons à yo. Hashtag les cochons à yo en PS. Ok, il a récupéré son fil barbare. Ah, oh, tu grattes à droite. Oh là là, oh. Double esprit. Bon, à un moment donné, par contre, il va falloir que j'attaque. Faut que tu cimetières à un moment. C'est ça. Premier poison. Ok. Bon, tu pourras choisir d'aller à gauche ou à droite au moins. T'as bien baissé de partie. Donc il va mettre. Ah, c'est barbare, ouais, c'est ça qui reste. Je pensais qu'il allait battre là. C'est pas grave, hein, tu grattes bien le bûcheron, hein. c'est pas dégueu hein, le poison sur le bûcheron. Par contre, là il va tout te mettre, hein. Il va te mettre les cochons à yo, etc. Et voilà. Et à gauche il fait mal, ouais, hein. À gauche il fait très mal. Moi j'avais pas vu la mousquetaire. Ouais. My bad. Non, en soit là je mets un bon double. Ok. 54 secondes. Plus tendu. Ouais, je pense, je sais pas si je joue la trop. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. J'ai pas envie non plus. En vrai, je pense que j'aurais pu largement la win face plus facilement que ça. Oui, je pense aussi, ouais. T'avais un bon match-up en tout cas ici. Ah, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal du tout, il est obligé de def au barbare, il a plus rien. Machine volante, faut faire gaffe. Ouais, mais. Moi, ouais, j'étais trop compétitif, je pense. Ouais, ouais. Ah, c'est dommage. Hein. J'étais beaucoup trop facile. Oh, damn. Oh. Ouais, non, c'est clair, t'avais largement les moyens de. Nicolas. Bon, je le retrouve directement. Ouais, il devait attendre depuis un moment, lui. Ouais, non, j'aurais pu jouer beaucoup plus agressif à un moment donné. Mineur. Je pense que. Je perds pas, mais je fais une match pour ça. Oui. Bon, celui-là, je le termine. Ça peut être du mineur ballon, hein, faut faire gaffe. Hein. Ouais, je pense. Fais gaffe à ta MG en tout cas. Ouais, ça ici ressemble fortement. Matchup dégueu. Non, on en veut pas de matchup. Bon, tout à l'heure, fait bien ici. Pas fait. Ouais, ok, boule de neige. Ok, ballon, objet. Rien à mettre de bien plus. J'ai pas besoin. Je vais juste mettre un petit golem pour histoire de tanker. Puis de barbare à utiliser. Je vais pas plus forcer que ça, mais je vais repartir. De toute façon, en x1, faut pas être trop grid quoi. Surtout contre ce deck. Ouais, il met rien de plus, tu def bien. Okay, t'as même pas besoin du fil de. Non, mais faut que je suis. J'ai
D'accord. Je vais essayer de pot-shot. Oh, pas mal. Pas mal quand même. Oh, les boules de neige qui suffit. Ah si, c'est bon. Il va te mettre un coup plus. Ouais, bon, je vais partir en cimetière parce que de toute façon j'ai pas envie de le MG ni de ma fournée. Après il a son fil barbare en main. Ouais, je vais l'utiliser. Okay. En vrai c'est pas mal, hein, tu mets des bons dégâts là. Hein. Faudra faire gaffe à son ballon, hein. Il a le ballon en main. Oh il boule de neige. Oh c'était forcé, il avait pas besoin. C'est une erreur. T'es devant, on est ici, hein. T'as 3 de plus. Mineur def. Je pensais qu'il allait essayer de mettre un mineur comme ça, mais non. Encore une fois, hein, il a son ballon en main. On va faire gaffe. Ouais, allez, tu tombes la mousquetaire, parfait. Ballon qui est utilisé. T'as la fournaise également. Ouais. Ah merde, oh, pff, ça coûte cher ça. C'est bon, ah reviens. Oh tu grattes, tu grattes, mais par contre je pêche. Et voilà, j'ai perdu. Ah c'est dommage. Ah je suis deg. Non, même dans le je pas. Je peux rien faire. Ah tu mets... gagner le match d'avant. Tu le mets bas hein pourtant. Bah, merci beaucoup Ken en tout cas. Ouais de rien. Est-ce que t'as des conseils de fin pour les personnes qui voudraient jouer ce deck? Bien tempo, ne pas trop. Ouais. Et ne pas vraiment mettre de cimetière quand on n'est pas sûr. Faut vraiment être sûr qu'on est devant en élixir. Ouais, ça me semble être vraiment le plus important ça. C'est ne pas cimetière si t'es pas sûr de ne pas te faire punir dessus quoi. Ouais. Top. Merci beaucoup Clem. Alors ouais, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas évidemment à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite une excellente journée.